Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour les petits conseils de la carte de ce jeudi 17 octobre 2024 et les petits messages de Ho'oponopono et de la pensée positive. Et je commence par la pensée positive, mais avant, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, pensée positive de ce 17 octobre, maîtrise. Celui qui sait rester calme et maître de lui en toutes circonstances est généralement admiré par tous les autres. Aujourd'hui, j'ai pigé la carte numéro 22. Créer de l'action dans ta vie, elle te forcera à avancer et à ne pas abandonner. Donc, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. En gros, n'est-ce pas? Allez, petit conseil, soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce qui vibre en vous. Ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Et encore une fois, je me répète souvent, mais c'est important, vous avez votre libre arbitre. Petit conseil, finance, ne restez pas immobile devant un constat négatif. Créez les opportunités qui pourront vous aider à respirer financièrement. Donc, vous devez mettre en place des choses. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Donc, cherchez un petit peu pour que ça soit un peu mieux au point de vue finance. Donc, voilà le petit conseil de cette carte au point de vue des finances. Côté professionnel, eh bien, il n'y a pas d'âge, n'est-ce pas, pour vous reprendre en main et vouloir vous épanouir dans votre travail. Saisissez tout ce qui se présente à vous, formation, réorientation. C'est en essayant que vous trouverez votre chemin. Eh bien oui, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir, Maintenant, vous pouvez prendre un cours en ligne, faire un petit cursus, dans ce que vous aimez faire, ça peut être au point de vue artistique, point de vue maquillage, point de vue vente de vêtements dans n'importe quel domaine. Vous pouvez faire ça via les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'âge, c'est la vérité, c'est vrai. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Et puis bon, si vous êtes doué pour apprendre le tarot, les oracles et tout ça, eh bien faites-le, faites des petits cursus, des petites formations. Et puis voilà, hein, vous donnez un petit coup de fouet. Si maintenant vous êtes dans un âge certain. Voilà. Côté sentimental, vous ne pourrez rien résoudre en tournant en boucle dans votre tête ce qui ne va pas ou ce qui manque d'énergie pour vous. Mais oui, pour certains d'entre vous, vous ressassez. Voilà, ça ne va pas. Mais vous ne faites rien pour avoir une amélioration. Posez-vous cette question, que puis-je mettre en place pour améliorer la situation? Devenez maître de la situation, n'est-ce pas? Vous devez devenir maître de la situation. Et pourquoi pas créer ce que vous souhaitez vivre? Et c'est ainsi que vous irez au bout de vos envies. Et cela vous permettra évidemment de comprendre ce que vous souhaitez vraiment. Allez, aujourd'hui, vous vous dites, qu'est-ce que je peux mettre en place dans la problématique que je suis en train de vivre? Il y a des solutions, n'est-ce pas? Allez. Point de vue donc professionnel, je l'ai dit, et puis on arrive au conseil spirituel. Vous ne pourrez évoluer que si vous restez fidèle à vous-même, mais dans
à tout point de vue. Il faut rester fidèle à soi-même. Vous devez apprendre à vous connaître et à accepter votre rythme. La fluidité ne peut exister que si vous créez votre propre chemin. Voilà le conseil côté spirituel. Très beau message, encore une fois, aujourd'hui, avec cette belle carte du chemin de soi, n'est-ce pas ? C'est vraiment un travail sur soi. Moi, j'adore travailler sur nos faiblesses. Et lorsqu'on a la possibilité qu'on nous met des faiblesses, qu'on nous met les faiblesses en lumière, ça permet de travailler dessus. Alors, je termine avec Ho'oponopono. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. C'est ainsi que nous reprenons le pouvoir sur notre existence, qui est notre bien le plus précieux. Nous devons accepter, n'est-ce pas, les événements que nous vivons. Et c'est en les acceptant qu'on peut agir et ne pas faire comme beaucoup, les occulter. Parce qu'à un certain moment, ils reviendront à vous. C'est facile de mettre une problématique dans le tiroir, on ferme le tiroir, mais à un certain moment, il y aura la boîte de Pandore. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis, on se retrouve demain pour un dernier message de la semaine et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.